C'est samedi qu'aura lieu le combat revanche tant attendu entre Lucian Bouté et Librado Andrade, un combat qui aura lieu à Québec. À quelques jours de l'affrontement, les deux boxeurs ont participé à un entraînement public. Le camp Lucian Bouté regorge de confiance à l'aube de ce combat revanche face à Librado Andrade. Les deux pugilistes ne se retrouveront dans le ring que samedi soir, mais déjà Bouté trépigne d'impatience à l'idée de retrouver Andrade avec l'objectif de dissiper les doutes à son sujet. Et je suis en grande forme. J'attends de samedi, comme tout le monde. Je sais que tout le monde attend ce combat-là, mais moi aussi j'attends ce combat-là parce que je veux régler les choses, les affaires avec Andrade. De retour d'un camp d'entraînement tenu en Floride, le champion des super moyens IBF se considère en meilleure condition physique que jamais. Mais l'entourage demeure conscient des qualités athlétiques de son adversaire. Samedi, je vais être plus fort sur mes jambes, sur les bras. Andrade va sentir mes coups. On sait que ça va être encore un combat difficile. Andrade, il a un style qui n'est pas facile. C'est un gars qui est tout le temps en bonne condition physique. Lucian va juste faire ce qu'il fait bien. Il va le faire encore mieux. Pour sa part, Andrade ne s'est pas expatrié au sud pour tenir son camp d'entraînement, préférant se préparer à Montréal et Laval. Croyant en ses chances de l'emporter, il est persuadé que la pression est dans le camp de Bouté. He's just a great boxer, you know. I can't take that away from him, but I can get to him. And he has a lot more to prove than I do. He can beat my body up, he can break my body up, but he's not gonna break my spirit. And my spirit is gonna become a world champion. Son entraîneur Howard Grant a d'ailleurs trouvé une façon très originale de décrire Bouté. He's like a Mercedes-Benz, 500 Mercedes-Benz AMG. I was in a bad car accident, and the frame of the car is bent. He's damaged. Les deux boxeurs se sont également dit très flattés par l'accueil que leur a réservé le public québécois. 500 spectateurs ont assisté à cet entraînement public du jamais vu chez Interbox. Louis-Simon Lapointe, à Québec.